Et on va passer maintenant à la séance de saut. Puisqu'on est déjà bien échauffé, donc on va continuer en même temps. On est déjà bien échauffé, on va attaquer avec le saut. Mais seulement, laissez-moi vous rappeler, le saut, c'est s'élever au-dessus du sol et se projeter à distance de son appui. Qu'est-ce que le saut peut nous apporter? Le saut nous développe la détente. Le saut renforce la force musculaire. Le saut améliore la gestion du stress et le saut améliore aussi la concentration. Puisqu'on est déjà bien échauffé, on va donc passer par les petits sauts. On va donc prendre une corde et on va sauter à la corde. Si vous n'avez pas de corde, ce n'est pas grave. On peut faire avec les sauts de kangourou et on va sauter. Voilà, sur une jambe. Une jambe maintenant. Vous changez de jambe et alternatif maintenant. Très bien. Une fois que vous avez fait ces sauts, vous déposez votre corde. Attention, vous devez faire plusieurs reprises. Hein, plusieurs reprises. Allez, on y va maintenant pour les sauts de grenouille. On accroupit, saut de grenouille. Très bien. Allez, encore une fois. On saute et on retombe loin devant. C'est bon, les enfants? Très bien. Et là, vous êtes prêts pour réaliser le saut en hauteur et le saut en longueur ou alors le triple saut. Ce qu'il faut retenir au niveau des sauts, le saut renforce la force musculaire des apprenants. C'est bon les enfants? Allez, on fait une séance de relaxation avant de passer à une autre activité. On y va donc. On va s'étirer tout doucement. On grandit, voilà. On revient toucher les orteils. On revient toucher les orteils. Toucher, toucher, toucher. Voilà, et vous revenez. Très bien. N'oubliez pas, 3 fois par semaine et la séance doit durer 20 minutes.